petite brève parue dans le Midi Libre aujourd'hui. Alors, Dieudonné, à la baisse. Apparemment, je suis à la baisse. Je ne savais même pas que j'allais monter à un moment donné. Bon. Isabelle Guiraud, donc là, je vais parler au nom d'Isabelle Guiraud. Hein. Le maire de Saint-Jean-de-Védas. Saint-Jean-de-Védas. Hein. Un, deux, quand même. Vous connaissez certainement pas Saint-Jean-de-Védas, enfin ceux qui y habitent, qui connaissent. Mais c'est vrai que c'est quand même le trou du cul de la terre. Mais bon. Donc, Isabelle Guiraud, le maire de Saint-Jean-Védas, c'est une mairesse, c'est une bonne femme, et son conseil municipal ont déploré la venue de Dieudonné. Bibi. Tunnel de 175. Isabelle, elle est marrante. Le maire, donc Isabelle, souligne que, non informée officiellement, la mairie n'a pas été en mesure de mettre en place les mesures de sécurité qu'implique la venue de cet humoriste qui fait de la provocation régulièrement en soutenant les thèses négationnistes de l'historien Robert Fourisson. Ah, tu l'as senti passer, Isabelle. Je vais revenir. Je vais revenir toutes les semaines. Ah ouais, là, on découle un autre. Hein. Saint-Jean-de-Védas, c'est un objectif. Donc, c'est Isabelle, je crois qu'en ce moment, elle a des problèmes. Je crois qu'elle s'est opérée du côlon, elle a un truc, je sais pas, la merde en fion. Et apparemment, elle n'est pas contente. Hein. Donc avec le conseil municipal, ils ont voulu me la mettre jusque-là, mais... Et d'ajouter, les élus s'indignent de ce manque de respect à l'égard, à leur égard. Mais Isabelle, j'ai aucun respect pour toi. Bien sûr, si tu peux t'indigner tous les jours. Ah ben, crois-moi bien que je n'ai absolument aucun respect pour ce que vous représentez, pour toute la bêtise que j'entends, que je vois, Isabelle. Ce que tu dis n'est pas raisonnable. Prends ta retraite, il ne faut pas t'en prendre aux autres. C'est pour ça que tu vas à l'hôpital, je sais pas, tu te mets un furet non. Tu sais pas, tu... Même... Ben oui, mais Isabelle, oh, réveille-toi un petit peu de temps en temps, là. À leur égard, il y a celui des Védasiens. Alors par contre, les Védasiens, tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Ben, ils voulaient que je vienne, les Védasiens, ils n'ont rien à voir avec toi, avec ton équipe de malfrats. Isabelle, t'es pas au courant ou quoi? C'est la tunnel, tu l'as mal senti, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute-les, les Védasiens. Un petit coucou à Diodo, en espérant qu'il jouera un jour dans une grande salle, parce qu'il le mérite, et c'est un très très bon comédien, quoi. Si. J'espère qu'il aura la reconnaissance qu'il mérite. Bon, ça va, tranquille? Au top. De changer? Au top. Moi j'ai un truc à dire, vas-y. La quenelle des Dieudonné. Je te jure, il devrait faire. On a froid. Ouais. Dire? La prochaine fois dans un endroit un peu plus au chaud. Mm-hmm. Dans une période un peu plus estivale. Merci monsieur le maire, on dit. Ouais. Merci monsieur le maire de Saint-Jean-de-Védas. Bon, mais quoi qu'il en soit, on s'en fout quoi. Même s'il fallait aller dans la jungle, on serait allé. Être tous à poil et regarder le sketch, on l'aurait fait. L'essentiel, ouais, c'est de vraiment kiffer, de regarder autre chose que des DVD, quoi. Super. Donc voilà, ben, en espérant kiffer, enfin en même temps, on doute pas, on sait qu'on va kiffer. Normal. Voilà. Allez, vite qu'on rentre, quoi. Vite. Message pour Dieudo. Une bonne petite quenelle ce soir, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. On est là pour mettre des quenelles, hein, il le sait. Normal. Juste parce qu'on kiffe grave, voilà. Parce qu'il est vraiment envie de délirer, voilà. Ok, super. Merci. C'est un vrai jeu de piste, hein. Franchement, c'est la misère pour venir te voir. La prochaine fois, un peu mieux indiqué, ouais. À l'arena. Ah, vous avez, on a collé des affiches. Un peu avant, le. C'est pas au bon endroit. C'est opérationniste. Et on voudrait savoir qui est-ce qui a mis la pression pour que ça se change comme ça. C'est le maire de votre magnifique ville. C'est le maire de. Mais il aurait pu le dire avant, quand même. Direct. Ah, bah, c'est bien. J'arrive, les gars. Continue comme ça. Franchement, tu cartonnes. On s'est tué. On s'est tout ton parcours. Voilà. Il était venu à Perpignan. Ouais, à elle. Les Catalans, attends. Profond. Bon, ouais, ça va très loin. Sinon, pour Dieudo, vous êtes venu jusqu'au fin fond de la Garrigue. De la Garrigue. Des Perpignan et pluriel. Dans le froid polaire. C'est la quatrième fois que je viens voir le spectacle.
Mahmoud. Ouais, Mahmoud. Deux fois, je suis pas rentré à Paris parce qu'il y avait trop de monde. Ouais. Là, je tourne 3 heures. Et tu donnes, arrange-toi, fais les choses carrées, arrête de faire à l'africaine. Non, puis, c'est bien spectacle. Ça monte, mais si c'est. Voilà. Bon, ah, si on fait trop les drôles, avance pas. J'avoue. Merci, Dieudo. Ouais. Ce côté-là, c'est fini. À un moment donné, il faut choisir. C'est débranché au tableau dernier. Stéréo. Si vous voulez la diffamation et de l'information, nous, on n'a pas apprécié. Ce qu'on veut, c'est la réalité. Uh-huh. Et ce qui se passe dans la réalité, il faut le sortir de ces fameux quartiers. Uh-huh. Et on est arrivé ici pour enfin écouter Dieudonné. Comme d'habitude, on s'y attendait un peu. Uh-huh. Donc nous, c'est pas grave, on brave, hein, on vient le voir parce qu'il dit parle anglais. Il dit des choses qui nous touchent, plus profond de nous, et c'est le meilleur humoriste de France. Et par contre, j'ai un message, c'est pour les autres, mm-hmm. ceux-là qui tiennent tout, qui n'arriveront pas sempiternellement à faire taire. Parce que ce qu'il dit, sa langue, elle est peut-être petite, mais en tout cas, elle fouette, elle fait mal. Elle fait très mal. Là, je te parle pas du cirque pendaire, là, on y arrive. Même moi, j'ai peur. Je sais que... Ah, c'est pour ça qu'ils veulent m'interdire, là. C'est fou, quoi. Quand je suis dans la lumière, voilà, là, je suis... Voilà, là. Ah, ferme là, c'est pas un gars. Tout ça, il va le voir. Bon, bah alors, ferme là. À jamais.